Lognac, on n'attendait pas une victoire. Bah, la réaction d'abord, elle est très contente parce que ce match-là, il a de toute façon nous a donné beaucoup d'enseignements, que ce soit positif ou négatif. Ce soir, le résultat est positif, donc c'est une très, très grande joie. Puis on savait que ce serait compliqué et Oyonnax nous l'a rendu compliqué. Par contre, on n'a rien lâché. Donc on a été présent, on a su scorer. Il y a eu une bonne alternance entre les avants, le jeu de trois quarts. Il y a une certaine maîtrise aussi. On a senti Grenoble ce soir qui maîtrisait bien son sujet. Bon, maintenant, il y a plein de petites imperfections qu'il faudra gommer, mais bon, on avait pris suffisamment d'avance pour éviter un retour, comme on l'a pu le voir à la fin avec Oyo, un retour sur la sirène où ils sont venus arracher le point de bonus défensif. Et heureusement qu'on avait un petit matelas d'avance, sinon on aurait pu encore pleurer une fois de plus. Les points négatifs, la conquête, le manque d'organisation collective pendant un petit quart d'heure en première mi-temps, Alors il faut faire attention quand on utilise le mot conquête, parce que le rugby c'est un sport de lutte et la conquête elle a lieu tout le temps. Aujourd'hui, ce qui n'a pas forcément été bien, c'est qu'on a joué des ballons sur des récupérations de balles, sur des turnovers, et qu'on a exploité immédiatement alors qu'on aurait dû faire preuve d'un peu plus de patience. On a su parfois dans les phases de plaqueur plaqué se mettre à la faute. On a manqué un peu de patience aussi, notamment pour inscrire notre troisième essai où on a voulu aller trop vite en besogne. On aurait dû prendre le temps de construire. Et puis au début de match, je dirais un petit léché au niveau des touches qu'on doit chercher à améliorer, mais dans l'ensemble la copie est plutôt bonne.